Alors présentez-vous. Ben, je suis Antonio Amoussou, donc parrain de l'événement. J'ai été pris au dépourvu, certes, mais j'ai accepté de parrainer l'événement vu que j'ai été très malade et que je me suis senti concerné. Le premier parlant de la mémoire et de l'oubli m'a quand même assez interpellé. Je ne voyais pas l'oubli dans toute sa quintessence. Je ne voyais pas le terme de l'oubli et de la mémoire. Je ne voyais pas ça de manière aussi approfondie. Ce qui fait qu'aujourd'hui, j'exhorte tout un chacun à se procurer de l'ouvrage et de le lire. Ça, c'est d'une part. Pour ce qui concerne corps malade, nomadisme religieux, le salut parlant du sacrement et tout, ça, je me sens beaucoup plus concerné. J'ai eu à dire un peu la manière suivant laquelle j'ai connu le prêtre. J'ai donc eu à parler de ça. Et ce que je conseille par rapport à ce livre, c'est que quelle que soit la souffrance, quel que soit ce qui nous arrive, c'est clair et net que nous devons rester résolument et avec conviction sur le chemin de Dieu. Et ce qui m'a aussi fasciné, ce qui m'a plu, c'est la flexibilité, c'est-à-dire qu'on a suivi à suivre le Père, c'est qu'on a vu qu'il est parti de tout ce qui est conservatisme pour aboutir à une certaine flexibilité dans la façon de faire les choses, ce qui aujourd'hui est en terme avec l'évolution du monde. Donc ça va de soi qu'on achète ce livre, les deux livres, et qu'on puisse les lire. Donc voilà, je vous remercie. Merci, monsieur. Je vous en prie.